Non. On va au sous ce soir. Ouais. Seb, est-ce que c'est un champion celui-là dans les cages? Non, moi je trouve que c'est un champion parce que moi à la maison j'ai jamais entraîné un 3-1 qui a autant de vitesse de base que ça. D'ailleurs toutes ses courses qu'il finit, il finit à chaque fois à moins de 10. Là on a vu à mini droite, il est reparti avec l'autre, voilà. Il a fallu jouer des coups d'entrée de ligne droite hein, parce que l'ouverture s'est pas faite. Pas trop, puis là il est arrivé lancé et puis donc ça prouve que c'est un sacré poulain parce qu'il était battu à mini droite. Il était revenu chercher la victoire aux abords du poteau. Mais c'est un sacré cheval. S'il n'y arrive rien, c'est le cheval de Pédémérique, c'est sûr. J'avais déjà dit il y a 2-3 mois, mais c'est un sacré cheval. Quel meeting d'hiver pour toi, c'est au-delà de tes espérances? Bah oui, parce que j'ai déjà dit l'hiver dernier, j'avais que des soucis avec les chevaux. Là, tout se passe bien, que des bons parcours. Les jeux sont en forme et puis je retrouve des jeunes qui sont sur la montante, donc c'est super. Il a une sacrée vitesse de base quand même. Ah, mais j'ai vraiment pas ça. Tous ces chronos, chaque fois, il m'a dit ça pour le tour. 8-8 les 500. Cédric. T'as perdu ton assistant. Ouais, j'ai Cédric, deuxième, heureux. Ouais, le cheval, il nous rassure pleinement. Il confirme qu'il avait bien encaissé sa course. C'était vraiment, je pense, le fait de s'être coupé un peu les pattes en montant. Le fait d'avoir repris pour se remettre dans le dos de Pen Quick et puis que Jean-Michel accélère aussitôt, ça y a coupé les pattes. Après, le cheval aujourd'hui fait une très bonne valeur. Ce qui manque peut-être pour gagner, c'est peut-être un petit peu de fraîcheur comme ça hein, en fin de meeting, à 6 jours d'un 4000 mètres où il marche 14 quand même. Donc non, on est très, très satisfait et très rassuré. Et en plus, à l'entrée de la ligne droite, il a vraiment donné chaud au gagnant. Ah ouais, il a bien giclé, mais le gagnant, c'est un très bon cheval. Hein. Il a vraiment une sacrée pointe de vitesse parce que le mien, il s'est quand même allé vite aussi. Et le gagnant, il a rien lâché et il a été fort. Donc maintenant, les vacances pour Hulan? Ouais, voilà, il va entretenir la condition, mais il va faire la monte. Il sera revu que fin de printemps, début d'été, quoi, je pense. Tu connais un petit peu la suite de son programme ou pas du tout? C'est pas encore établi, mais je pense qu'on va repréparer le cheval pour le René Bagnard, je pense. Et dégage, quoi! Dégage! Bravo à eux! Alors, on va donner. Ouais, bien, troisième, très bien, on a eu un bon déroulement de course. Pour finir, on allait très vite, il a voulu faire un peu vite le mien en train de droite, il s'est trompé un coup ou deux, et après, il a bien renchaîné les derniers 200 mètres. Non, très bien, avant le coup, j'aurais signé, j'ai pas fait trop dur, j'ai couru à l'économie, le cheval soufflait pas après la course, il a l'air d'avoir bien encaissé son parcours, donc tant mieux. Il arrivait avec un peu de fraîcheur au départ de cette course, mais suite un petit peu à des ennuis de santé, donc j'étais un petit peu dans le doute avant le coup. Après, au travail, il travaillait vraiment bien, donc c'est bien. En troisième, on aurait signé avant le coup. Oui, village, quatrième, est-ce qu'il y avait mieux à faire? Ouais, disons, si on cherche, on peut toujours mieux faire, mais après coup, vu l'écart à l'arrivée, mon cheval a fait sa course, il est ferré, il a encore, je pense, d'autres choses à améliorer, mais je pense qu'il est à sa place. Par rapport à l'an passé, tu le sens en constant progrès? Oui, absolument, c'est un cheval qui a encore pris la force, et je pense que d'ici un an, il va encore progresser de ce côté-là. La suite de son programme, ça passe par quoi? Ça passe par la saison de monte, un cheval commence la saison de monte. Après, on avisera. Il a un programme au printemps que pas spécialement alléchant. Il y a des rendements de distance pas très attractifs. Et puis après, là, c'est plutôt un objectif pour lui. Fin août, début septembre, il y a Critérium des 5 ans. Là, ça risque d'être plus un objectif pour lui. Philippe, est-ce que ton cheval t'a une nouvelle fois bien plu aujourd'hui? Moi, je dirais que oui, puisque bon, je m'étais mis dans la tête que ça allait quand même être relativement dur de rendre 25 mètres aux jeunes. Je ne suis pas parti tout à fait assez vite. Je me suis retrouvé quand même assez loin, vu le rythme imposé, donc je suis resté où j'étais, puisque je me suis dit dans les tendances, si je décale le premier, de toute façon, les autres, ils vont me sortir. Et puis voilà, donc je savais dans les tendances que pour les premières places, ça allait être difficile. Et après, donc, je trouvais qu'il avait mis un bon coup de rein pour finir. Il a quand même relativement bien fini. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait une course trop dure. Et bon, aujourd'hui, donc, à part si la prise de sang est mauvaise, il recourra sans doute dimanche de la semaine prochaine. Le Critérium, justement, est-ce que ça ne fait pas trop chargé comme programme pour ton cheval? Je dirais que je lui inflige jamais un travail trop dur, donc bon, cette course-là va peut-être lui peser. De toute façon, si dans la semaine je le sens fatigué et puis que la prise de sang n'est pas bonne, donc il ne descendra pas. Après, ça va être sa dernière course de l'hiver, donc il y a 8 jours, je pense que là aujourd'hui, il a bien fini, il avait récupéré assez vite après la course.
Il devrait, j'espère qu'il aura récupéré. La suite de son programme, donc Kenck sur mer, et ensuite, première saison de monte. Oui, tout à fait. Donc après, il va se consacrer à la monte. Je vais essayer de le garder à l'entraînement un petit peu, pour pas qu'il pense que la compétition, c'est fini pour lui. Donc il va rester un petit peu au travail, et puis suivant son état de forme, il courra peut-être au printemps, ou peut-être pas s'il est fatigué par la monte. Donc on verra son attitude. Tu nous as parlé des rêves un petit peu d'étrangers. C'est toujours d'actualité ou pas? Oui, j'aimerais bien y aller. Je pense qu'il a un petit peu le profil pour ça. Bien que là, aujourd'hui, donc, il était presque un petit peu trop décontracté. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu courir cette course-là plutôt que l'Union européenne. Parce que bref, les courses qu'il a éventuellement à venir, ce sont toutes des courses de vitesse. Et puis là, il était un petit peu trop en décontracté. Mais en courant 2-3 comme ça, je pense qu'il va vite se remotiver. Donc, il devrait être un petit peu plus allant.